Oui, alors Ribel, bonjour, maman. Ribel, bonjour. Je suis arrivé vers les autres parce que les bagages ont bougé Tibrin. Donc, je suis arrivé vers les autres parce que les choses bougent un peu. Les bagages ont bougé Titac. Donc, alors ça, pour tout le monde qui arrive, c'est parce qu'en fait, déjà, nous en l'auto-spécial, hein, l'auto-spécial apparemment c'est Bradjack Osvaldo. Donc, c'est effectivement pour promotionner la gamme Peugeot, il semblerait qu'elle ait été en équipe de Bradjack, préférentiellement Peugeot, et Taïla même, c'est en Peugeot. Et donc, l'auto a venu là pour déjà marquer effectivement. Présence professionnelle Osvaldo, mais aussi travail là il fait hein, pendant tout moment il était quelques jours à travail là il fait travail professionnel là, il fait hein, de ramener des clients, de promotionner la marque, enfin etc. Ça c'est le premier bel là. Et puis deuxième bel là, bien sûr, c'est les forces de l'ordre hein, que nous n'y les forces de l'ordre, oui, que nous n'y en face nous, puisque bon ben ça lui aussi hein. C'est chaque moment effectivement qu'a proposition à danser, c'est-à-dire bon ben à dans position de force de l'audio. Et puis donc nous devons centre auto, m'en rappelle les autres, ils m'ont dit ça tout à l'heure, nous devons centre auto, et puis les syndicats, et puis les grévistes, et puis les soutiens Osvaldo qui viennent pour effectivement dire non à fonctionnement à la direction, à profitation à la direction, à demander la direction, respecter non seulement Osvaldo en lui-même, parce que Osvaldo en fait, moi, c'est simplement un canal, hein, un canal courageux pour montrer force de cabonnage que la direction peut faire. Je vais écouter ce que je vais écouter quand même. Il y a des prises de parole qui sont faites. Parce que vous mettez les micros peut-être pour parler. Donc, regardez, il y a une prise de parole. Titac, les bagages qui ont bougé, les positions qui ont affirmé, aussi. Mais voilà. Bon, maman, là, bonjour. Je vais répéter les autres. Vini, Bosvaldo, en force pour Martin. Bon, nous sommes trop tôt. Chaque l'un nous a d'un côté. Nous avons parlé, nous avons expliqué. De telle sorte que la population savent. De telle sorte que les camarades savent, de telle sorte que les non-grévistes savent. Donc là, c'est Eric Picot, secrétaire général, qui a exprimé quoi. Ça a fait à présent 4 semaines, Maman Blue Automobile, qui a mené en mobilisation et qui a coumé contre l'injustice flagrante qui a passé d'ailleurs. En beaucoup d'entreprises, en l'entreprise en Martinique. Nous dit que nous ne pouvons pas accepter ces bagailles à la pièce. Je dis hier, nous sommes l'arrêté, bon Peugeot. Préférons faire nous sortir. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Puisque nous sommes en soi-disant voie publique, voie privée. Mais je dis hier, ça c'est un combat là, nous avons mené contre l'employeur qui profitait. Et donc nous là, nous la manière tranquille. Mais nous ne pouvons pas accepter que nous nous brûler quand hier. Parce que hier, c'est un bagage qui fait en manière magnanime, en manière correcte. Là, nous avons dit c'est 7-10 nous avons bloqué aujourd'hui. Hein. Pouchi, nous pas ni pièce conflit. Et puis directeur général, ça t'autodise. Je vais répéter, nous pas dit pièce conflit, et puis de la vigne qui directeur général, ça t'autodise. Mais il faut songer que ça t'autodise, c'est entreprise, même patron. C'est même patron. Et nous te dit que tant qu'il n'y a pas de catène, qu'il faut négocier, il faut venir à la table de négociation. Nous te attaché toute entreprise qui a fait partie du groupe Tala. Et qu'on telle nous aujourd'hui, nous ici aujourd'hui, et puis les camarades de Blue Automobile. Mais pas non, plutôt de Centre Autodis. Alors nous avons dit ces mamans là, les babes voisins qui ont pris du feu, mamans là. Vous êtes à zot. Vous êtes à zot. Parce que, un camarade qui t'a dit, nous payons maintenant, même patron, c'est M. Aubery. Hubert Aubery.
Et je m'a bien dit, quand nous n'avons pas rien, contre Lavigne, qui est directeur général ici, nous avons répété ça. Mais ce même groupe-là, et tant qu'il n'y a pas qu'à ton, nous avons essayé de faire comprendre. Bien. Alors, il y a l'autre bagaille, comme on l'a dit, je dis hier aussi. C'est que, comme à Osvaldo, Mamaï est unique en lequel le bat. Et vous comprenez que ça te caille facile. Comme Adla a décidé de lui-même qu'il ne peut pas continuer le travail et puis Peugeot. Parce que ça, vous avez fait là, c'est de la profitation, c'est de la méchanceté. Et donc, ça nous commandait. C'est que comme Adla reconnaît et que ça fait licenciement pour faute grave là, ça n'a pas qu'à passer. Ça n'a pas qu'à passer pièce. Il faut qu'il y ait indemnisé comme Adla. Et ça ne peut pas faire sans organisation syndicale CFDT. Et M. Constant lui-même il dit, il ne peut pas en toute déontologie attaquer des discussions et puis employer là, si la CFDT n'est pas là. Parce que la CFDT ni des revendications pour ces mamailles-là. Et donc, tant qu'il n'y a pas qu'à comprendre ça, c'est le bagaille nous commander, ces discussions, ces échanges, un bagaille en manière intelligence humaine. Mais nous avons pensé que le directeur général pour l'automobile-là, il a dépassé longtemps. Mais nous avons pensé que Wasanga pas ensemble en gros pièce. Et nous avons demandé au Berry, réfléchis. Il ne faut pas quitter les bagailles envenimées quand il y a plus que ça. Et donc, à niveau nous en combat, nous avons remercié les camarades, les autres organisations syndicales qui ont non pas soutenu nous, mais qui ont soutenu le combat nous avons mené, parce que c'est pour une cause juste. Nous avons remercié aussi certaines associations, dont des camarades qui ont rejoint nous bon matin. Bien. Alors, nous avons répété que nous ne pouvons pas débarrer, je dis, de la même manière. Nous admettons un bagaille. Je dis, c'est un combat de patron employé. C'est un combat qui a roulé et dit que l'employé n'a pas les comprendre et nous bloquer sans Toto 10. Nous avons répété, que ce n'est pas le même bagaille qui est passé, je dis. Nous avons dit ça et nous définitivement laissons ça nous dire. Puisque de toute façon, même si nous sommes débloqués, nous avons rebloqué de l'autre côté. Donc nous avons dit ça, nous très clair et très net. Il faut respecter, les salariés, il faut respecter les travailleurs ici. Et donc nous pas d'accord pièce que nous avons débloqué ici aujourd'hui. Ça n'a pas qu'à faire. Oui, alors ça tente de disposition, Eric Picot. Et du coup, Maman, là, nous commandons des autres parce que nous accompagnons une stratégie. Groupe Obéry, nous commandons des autres, les camarades, à y travailler. Alors que Maman, Déora, qui défend les autres, nous commandons des autres, les camarades, réfléchis et puis pas rentrer travailler, Rodia. Nous commandons des autres, ça. Pas rentrer travailler, Rodia. Pour montrer en solidarité. Parce que la plupart de ces camarades-là qui en face là, c'est Mamaï la CFDT. Alors nous ne quittons pas nous aller les Mamaï là. Pas rentrer en travail. Nous commandons des autres pas rentrer en travail. Nous commandons des autres pas rentrer en travail, ces Mamaï là. Donc en face, hein, j'ai quatre ans appel Éric Picot de la CFDT. Parce et nous avons répété que nous ne pouvons pas accepter à rien que nous attachions nous aujourd'hui à non plus. Nous avons répété hein, que nous avons effectivement, nous avons appelé Éric Picot parce qu'en face là, effectivement, il y a un noué, nous avons regroupé les salariés. Le peuple ici a considéré que nous l'avons en manière pacifique, en manière paisible, mais en manière bloquant. Oui, nous bloquons, nous savons que nous avons bloqué. Nous avons bloqué, mais nous avons bloqué un employé. C'est un bagage syndical qui a roulé là. C'est un bagage syndical, il faut que les préfets qui comprennent ça. C'est un bagage syndical, nous allons répéter ça. C'est un bagage syndical qui a roulé ici. Donc, ce qu'on a appelé Éric Picot, un appel à très clair. Hein, donc, parce que nous ne pouvons pas accepter à rien aujourd'hui.
blocage là, c'est donc un blocage syndical, hein, un blocage syndical effectivement parce que humanité en homme attaquée, matiqué en monde, humanité en Martinique est attaquée. Donc hier apparemment mon parti là, donc de ça il dit moi bon matin on est arrivé, effectivement il dit là, hier que il était encore solidarité. On est la voix publique. Parce que j'ai dit en travail maman. Il est débloqué, mais je dis il a fait un appel. Il a fait un appel, Éric Picot, donc secrétaire général de CFDT, qui a dit effectivement c'est les salariés qui ont fait ça. Et les camarades, je vais rappeler ce qu'on bagaille. Parce que c'est mon bail là. Donc, qui c'est comme ils ont passé. Hein, donc, il a répété, c'est les camarades là qui ont fait ça, qui sont des salariés de Centre-Couteau. Attends, je vais rappeler, et lui, la CFDT qui est arrivé là, pour préparer les camarades là. Alors, pas moi, Timon, moi quand même. Voilà, donc il y a des tractations syndicales qui ont fait là, mais surtout des tractations moun, hein, puisque bon, là, il y a un élu, la CFDT, c'est certainement Centre Couteau qui arrivait. Donc, Éric Picot, c'est secrétaire général là, donc il a allé discuter, et puis, parce que l'objectif là, effectivement, c'est montrer quand même solidarité salariés qui travaillent au Berry, Barberis, montrer solidarité salariés qui travaillent au Barberis, dire très clairement, pas entrer en travail bon matin, ne serait-ce que pour montrer solidarité yo, à un collègue, on peut appeler ça un collègue, un collègue. Hein? Et c'est vrai que le café nous paie, la police, le café nous paie, etc. Donc, par l'autre côté, effectivement, il y a ces salariés surpris. Il y a un moment élu, la CFDT, sans que toi juste arrivé là. Nous te savons l'autre, nous te savons deux autres. Donc, il m'a dit. Il m'a dit élu. Pas l'épisode. Élu la CFDT, pas entrer en travail aujourd'hui. Donc, dans quelques autres, peut-être, je pas sûr, assister à ouais, si effectivement, il arrive convenu. Convexer ces camarades-là, ne pas griver. Mais, quel que soit ce qu'a fait Moun. Un grand merci. Le fait que je suis là, c'est pour nous. Mais un autre bagage, pour que je m'en dise autre, parce qu'un bagage qui a senti, c'est l'anniversaire Osvaldo de Florimont. Et nous te caillons maintenant, nous baillons bel soutien aussi, et puis un bel lendemain. Je suis Osvaldo et toi. Je suis Osvaldo. Et toi. Je suis Osvaldo. Et toi. Je suis Osvaldo. Et toi. Merci les camarades. Et puis battre les camarades, la love là. C'est l'anniversaire, lui, on dit, nous ne pouvons pas oublier ça. Donc, il a répété. Et je dis, nous ne pouvons pas être bloqués, maman, là. Nous ne pouvons pas être bloqués rien là. Nous là, nous pouvons rester là. Si on est fait nous débloquer, bon ben, tout bagaille qui est parti pour le mal. Donc ça... Et nous avons créé d'autres associations pour battre nous un coup de main. Parce que nous avons compris que il y a un bagaille qui levé là, qui pourrait être en Martinique. Nous avons préféré que ce n'est pas aujourd'hui, mais si c'est aujourd'hui pour faire, il a fait le mamaï là. Il a fait. Tout le monde qui attend à Eric Picot, vini Bosvaldo en parle, vini bas les travailleurs martiniquais en parle, vini bas la famille humaine martiniquaise en parle. Ça, c'est pas affaire Osvaldo seulement, ça, c'est pas affaire Moun seulement, ça, c'est pas affaire la CFDT tellement, ça, c'est pas affaire les Ousbeurs noirs seulement, ça, c'est pas affaire action-réaction seulement, ça, c'est combat nous tous. Là, nous besoin que la famille martiniquaise affirme quoi. Pour que ce combattant la Kalia, malpropre t'étais à Kalia, et bien, il faut que malpropre t'étais arrêté. Si ça fait, et puis Osvaldo, nous pas arrêter pièce possibilité après d'y affirmer que nous parlons traiter comme des chiens, que nous parlons pas de droits nous, que nous les, que nous continuons de traiter nous comme des frères, comme des mouns, et que pas ni 10 000 mouns, moyen mouns, et que tout le monde c'est mouns. Donc là, Éric Picot très clairement dit que c'est salarié qui était dehors, puisque bon, il bloqué, il est dehors, il ne peut pas entrer. Mais Éric Picot dit très clairement, prend position. Et donc il veut élu, c'est la CFDT qui finit arrivé, élu donc Centre-Couteau CFDT qui finit arrivé. Il m'a dit donc, allez voir ce collègue-là très clairement, il m'a dit prend position, m'a dit ce collègue-là, solidarité, pas entrer et pas Osvaldo. Non seulement parce que c'est anniversaire, mais qu'il a goûté courageusement pour une cause qui n'est pas une cause d'Osvaldo. Je pense que la cause a dépassé la cause d'Osvaldo et il faut très clairement que ces collègues-là comprennent ça. Mais Moun Martini qui a écouté moi aussi, Moun Martini qui a attendu moi, tout ça qui peut venir, nous pas loin, nous l'en maintenons derrière le continent qui a actuellement créé Carrefour. Donc nous derrière le continent, tout ça qui peut venir joindre Osvaldo. Tout ça qui peut venir nous faire un combat pour le respect, la dignité de la personne humaine martiniquaise,
tout le monde qui peut venir jouer nous, venir jouer Osvaldo. Venir jouer Osvaldo. Donc là, bien sûr, la police là, la police nationale là, mais il n'y a que des associations qui vivent. Mais hein. Nous, en manière calme, non manière pacifique. Parce qu'il y a qu'à dire que les syndicats, ceci, syndicats, cela. Mais nous, n'y a pas trop qui. Oui, il n'y a l'argent, donc il peut faire ça, il est. Nous, qu'à dire non. Parce que la force de travail est aux travailleurs. Et si pas ni ses camarades-là, la Suède, ses camarades-là, pas t'es ni Peugeot, pas t'es ni centre autobus, les camarades. Et c'est la Suède, ses camarades-là, qui a fait que l'actionnaire a touché. Alors, il faudrait nous mettre ça en tête, nous. Il ne faut pas qu'on y dit, nous, qu'on y ait fait par ces camarades-là, que pour qu'ils aient songé, ça, ils ont été cadoués Peugeot. Ces camarades-là, pas doué Peugeot, rien. C'est Peugeot qui a doué. C'est Peugeot qui a doué tout seul. Parce que la même propreté de passer par l'État, c'est pas qu'elle passe en l'air, WhatsApp, pour dire ces mamailles-là, songez, ça peut, il y a qu'à doué Peugeot. C'est Peugeot qui a doué ces mamailles-là, la Suède travaillait. Et nous, pas qu'elle prenait pas un pas, redire. Voilà, donc là, il y a un dilemme qui a posé quoi, hein? Est-ce que les salariés qui savent effectivement que Osvaldo en grève, hein, tout ça, est-ce que ces salariés qui arrivent au matin devant entreprise qui donc en situation de blocage syndical, est-ce que humainement, il y a du courage, parce que moi, je veux que faut que du courage pour faire ça, directement aller et puis dit la direction bon ben mon cas soutient Osvaldo, moi pas quand rentrer en travail bon matin hein. c'est un choix qui est difficile et c'est un choix que nous ne pouvons pas juger, c'est un choix que nous pouvons respecter quel que soit ça qui pourrait arriver. Donc mon cas arrêté direct là pour m'en dire simplement que tout ça qui attend nous, tout ça qui est d'accord, tout ça qui peut partager, tout ça qui peut venir joindre combattre là, venir joindre combat respect dignité travailler. Venez joindre nous, nous sommes tous dans le matin et nous besoin force et soutien tout le monde, chacun. Mais je pense que quelqu'un qui a fait la bonne matin, est-ce que les salariés qui ont surpassé courageux et puis venez donc, côté Osvaldo, plutôt côté la direction. Mais ça, c'est un combat qui est compliqué. Donc, personne n'a pas bougé pour que tout le monde. Merci les camarades, merci. Mais nous cajons bien. C'est pas rien nous pas parce que nous avons droit à nous là. Nous ça va être nous dans la justice, nous pas faire rien. Allô, oui. Donc c'est un véritable dilemme, hein. C'est un véritable dilemme. Ah, bon, Maria, nous t'as dit que nous n'y a l'autre mamaï qui arrive là, en l'autre mamaï. Ça peut être 10. Donc, il y a discuté avec ces mamans-là. De telle sorte que nous en harmonie, nous en synergie. C'est ça qui est important. La solidarité. La solidarité. Tout ça qui peut venir jeune nous. Nous sommes trop tôt pour matin. En soutien, en humanité, respect, dignité en nous. Canala, c'est Osvaldo. Mais en fait, c'est nous toutes. Venir jeune nous, tout ça qui peut. Je sais que la pique a tombé. Je sais que le temps pas belle. Mais ça aussi, ça fait partie de nous, ça fait partie de Natinou. Donc, pas hésiter, vini. Parce que là, nous devons un dilemme. Les salariés qui déroulent, effectivement, que la direction a demandé d'entrer. Et puis que nous avons demandé, donc, retirer des ne serait-ce que pour aujourd'hui, en soutien à Osvaldo. Mais tout, pour que y ait une licence, pour que tout. Parce que si nous avons qui rentrer, ça qui est compliqué, ça qui est difficile, bah, les autres. Donc, nous avons retiré là. Bon. Alors, donc apparemment, de Samankawa, effectivement, ils n'ont pas entré. Solidarité à respecter. Vraiment, un bel boulot bois à vous bayou. Apparemment, de Samankawa, je vais montrer aux autres loin. Donc, ils étaient là, ils étaient de route là, ils sont tous. Apparemment, personne n'est pas rentré. Mais nous, qui sont sapés, qui sont sacabas. Ça veut dire quoi?
qui sont sacaba, mais je vais répéter tout ça qui peut venir jouer nous, pas hésiter, venir jouer positionnement, affirmation de respect, dignité, travailler, respect, dignité, moun, respect, dignité, frère nous, c'est nous qui a goumé pour effectivement respecter. Respecter le travail, respecter ça, et que tout le monde, c'est le monde. Vini jeune nous, merci en chai.